Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant d'attaquer sur le sujet du jour qui sera Priscilla, j'aimerais faire une parenthèse. Lorsque j'ai vu le show Priscilla il y a quelques mois lors de la générale de presse, j'ai eu tout de suite dans l'idée d'aller dans les coulisses pour voir un petit peu comment ça se passait. Et par un heureux concours de circonstances, l'attaché de presse de Laurent Bann, un des rôles principaux de ce spectacle, m'a contacté pour l'interviewer. Je me suis alors mis en recherche d'un partenariat vidéo. C'est FFI, créateur d'images, qui a répondu à l'appel. Je les en remercie. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble aujourd'hui. J'espère que ça va continuer. Je vous mets ici le lien si vous voulez visiter la page. Et tout de suite, on entre à l'intérieur du théâtre pour voir Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Entre deux shows en plus, donc ça ne doit pas être évident. On va faire un petit exercice un petit peu particulier, c'est que je vais te présenter des visuels. Ah. Et puis tu vas nous en parler au fur et à mesure que je te les présente. Bon. Donc le premier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Priscilla, en quelques mots, qu'est-ce que c'est comme show? Qu'est-ce que c'est comme show? Ils appellent ça un show feel good dans le monde entier. Depuis 10 ans que ça tourne dans le monde entier. Nous, on a une version à la française. On a une licence particulière. On a fait un petit peu avec notre caractère, avec la French touch. Mais ça reste malgré tout une histoire de trois drag queens qui partent à travers l'Australie. Parce que Dick, le premier en fait, drag queen qui apparaît au début de l'histoire, qui est donc mon rôle, reçoit le coup de fil de sa femme, son ex-femme, qui lui dit « Viens ». À Alice Springs pour rencontrer ton fils que tu n'as pas vu depuis 6 ans. Donc voilà, tout commence là-dessus. Il appelle donc ses copines, Bernadette et Bradley, et ils prennent le fameux bus Priscilla, qui est le nom du bus, et ils traversent toute l'Australie avec tous leurs costumes, avec leur gouaille et leur délire, leur extravagance. Et forcément, au fin fond de l'Australie, ils rencontrent du bien, du bon et du mauvais, des gens qui vont les adorer, des gens qui vont les détester. Qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ces extraterrestres qui débarquent comme ça au milieu des pays du kangourou. Et voilà, et à la fin, il rencontre son fils, et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, il faudra voir le spectacle. Mais en tout cas, voilà, c'est l'occasion de chanter du disco, de danser, de rire, et de se sentir vraiment bien pendant 2h30. Alors, Priscilla, c'est 27 artistes sur scène, 200 costumes, 300 costumes, pardon, 200 perruques. C'est ça, oui. Est-ce que c'est pas difficile à porter justement ce type de costume et de perruque, tant sur la dimension de ces coiffes ou même sur l'extravagance de couleurs de... Alors je ne porte pas les 300 costumes, évidemment, j'en porte que 12, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà beaucoup. Non, mais c'est vrai que ils ont mis vraiment le paquet pour tout ce qui est visuel, pour les costumes et les décors qui sont aussi assez, assez incroyables. Et j'avoue que le jour où on a vu les costumes, c'est-à-dire réellement 4 jours avant la première, on va dire, on s'est rendu compte à quel point ça allait être très compliqué, surtout pour les changements rapides, parce que d'une scène à l'autre, on change en 40 secondes quasiment de costume, mais de folie, avec des étages dans tous les coins, des plumes, des coiffes qui font 20 kilos. Enfin, c'est une vraie folie, c'est une orgie, on va dire, de costumes. Et je crois que c'est un des points forts justement du spectacle. Et les gens, en tout cas, en ressortent justement en étant complètement éblouis par tout ce festival. On reste dans l'habillement, ou plutôt dans le déshabillement. Ouais. Dans Priscilla, il y a quelques personnes qui sont dénudées. On voit de la fesse masculine. On ne dira pas qui, on ne dira pas si c'est Laurent ou pas. Ah. On garde la surprise. Venez voir le show pour savoir qui montrera ses fesses. Voilà. Quand on fait un rôle comme ça, qu'est-ce qui est le plus difficile? Se mettre à nu physiquement ou montrer son cœur? Ah, belle question. Mais en fait, j'avais joué à l'époque dans Hair, où je jouais le rôle de Burger, et j'étais complètement nu. Et là, pour le coup, c'était vraiment de haut en bas, on voyait tout. Là, j'avoue qu'on montre, pour la plupart, surtout les fesses en effet, une partie, on ne montre pas forcément les petites choses un peu essentielles. Mais en tout cas, voilà, moi je dirais que pour mon personnage, en tout cas, celui de Dick, Miss Smith 6, c'est la mise à nu intérieure qui est importante. D'ailleurs, il a un problème avec ça, puisqu'il n'assume rien, il n'assume pas son statut de drag queen aux yeux de son fils, puisqu'il n'a toujours pas avoué à son fils qu'il était gay, et il n'assume pas non plus aux yeux de ses amis, Bernadette et Bradley, qu'il a eu une vie justement avec une femme et avec un enfant. Donc finalement, il n'assume rien, il ne se met pas à nu, c'est dans ce spectacle qu'il va commencer à le faire. Et c'est ce qui entraîne d'ailleurs plein de situations rocambolesques, ambiguës et très drôles.
Et ce personnage est intéressant pour ça. Il est sur le fil tout le temps. Il n'est pas dans la folie pure, il est vraiment toujours dans cette espèce d'intériorité, d'émotion, de sentimentalité qui est enfin un personnage très attachant, justement. Alors Priscilla, j'ai eu la chance de le voir lors de la générale de presse. Ouais. Pour moi, ça a été un coup de cœur. C'est gentil. Par contre, je vais être tout à fait honnête, je pensais que le public n'allait pas accrocher. Ah oui. et que c'était un show pour un public particulier. Oui. Finalement, je me suis complètement trompé, tant mieux pour le show, puisque le spectacle est prolongé avant de partir en tournée, oui. Il est prolongé sur Paris jusqu'au 4 juillet. Absolument. Comment expliquer ce succès? Et surtout, comment motiver encore les gens qui ne sont toujours pas venus le voir à venir voir ce show? Parce que, je dirais, alors il faut savoir déjà que ce show, le film au départ, parce que le film a été créé en 1994, est devenu un film culte dans le monde entier, que le spectacle qui a été créé en 2006 en Australie et qui depuis tourne partout dans le monde est un succès familial, enfin, en tout cas tout public, tout le monde va le voir dans différentes capitales du monde. Et c'est vrai que, je dirais, parce que ça défend des valeurs qui ne sont pas uniquement liées aux drag queens, à la population gay, transsexuelle, etc. C'est vraiment des valeurs qui sont universelles. La valeur de tolérance, la valeur de... Dites donc, on peut discuter ! Vous voyez, moi je suis très tolérant. Alors j'explique, c'est Jimmy, le rôle de Bradley, qui est en interview à côté, qui fait beaucoup de bruit. Oh là là, il n'a aucun respect, aucun respect. Allez, va-t'en, va là-bas. Vous voyez, comme je le disais, donc beaucoup d'amitié, beaucoup de tolérance. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on va dire, c'est qu'en plus en cette période un petit peu compliquée, on va dire, où les gens se renferment un petit peu dans on dit tu appartiens à mon clan et tu n'appartiens pas à celui de l'autre, c'est un peu l'inverse. Là on dit justement, tout le monde appartient à la race humaine, tout le monde appartient, donc il n'y a pas de race justement, on est tous des humains, on s'aime, on se déteste, mais en tout cas on se comprend les uns les autres, ou pas, mais en tout cas on est humain, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que là en l'occurrence, dans ce voyage, on dit à tout le monde, venez avec nous, et c'est vrai qu'on voit trois personnages qui ont des émotions, qui sont drôles, mais aussi qui pleurent, qui souffrent, c'est-à-dire un peu le début de leur histoire à tous les trois, ce sont des gens qui souffrent au départ, et tout le monde s'y retrouve, vraiment, et puis en plus, avec la musique disco par-dessus, c'est vrai que tout le monde s'y retrouve justement, et tout le monde danse en même temps. D'ailleurs, je crois que c'est le seul spectacle que j'ai pu voir, tout en étant à l'intérieur, où pendant l'entracte, les gens continuent de danser et de chanter pendant 20 minutes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les faire asseoir. On leur dit, les gars, c'est le deuxième acte, il faut que ça continue, il y a une histoire. Non, ils sont là, ils font YMCA, tout ce qu'on veut. Et tout le monde danse, quoi. Donc on a des gays, des familles, des enfants, des vieux, des petits, des gros, tout le monde se mélange et s'éclate, quoi. Voilà. Merci. Je te laisse découvrir et montrer à la caméra le deuxième visuel. Ok. Et puis nous en parler. Hein? Rockstar, Mr. Renaud Hanson. Oui, alors c'est un projet sur lequel j'ai été engagé par Monsieur Renaud Hanson pour faire l'un des personnages, le personnage de son meilleur ami, qui est un petit peu, voilà, qui est guitariste de son groupe. Enfin, l'histoire, je vous raconterai un autre jour. Voilà, Renaud Hanson, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de la troupe de Starmania, qui a été le show qui m'a donné envie de faire ce métier. J'ai découvert la version d'ailleurs, pas la version de Balavoine, mais la version avec Renaud Hanson. De 1988. De 88, voilà, c'est ça. Je l'avais vu en DVD au départ. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. J'ai chanté d'ailleurs des premières chansons, c'était le SOS, tout en détresse, qui était on va dire, le premier pied sur scène a été en chantant cette chanson. Et depuis, c'est devenu voilà, un leitmotiv. D'ailleurs, je chante beaucoup en Asie, que ce soit en Corée, en Chine, au Japon. Et c'est un peu devenu mon morceau de référence. C'est avec celui-ci que j'engage toujours, on va dire, le contact avec le public, qui adore d'ailleurs ce titre aussi. Voilà, donc Renaud Hanson, pour moi, c'est Starmania, c'est l'envie de faire ce métier. Je suis très honoré qu'il m'ait accepté dans cette équipe. Voilà. Et le dernier visuel? Ah, Alice, l'illusion d'un rêve. Eh oui, donc voilà, c'est pareil, c'est une actualité. En fait, c'est vrai que ce sont des projets qui sont en cours. Donc Alice va se faire sans doute dans la foulée de Priscilla. C'est une équipe qui s'est montée, une production qui vient du Sud, et par tous les chemins on y revient, forcément, donc j'y suis allé. Et c'est vrai que voilà, ce sont des gens très, très passionnés, c'est autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles,
Voilà, donc bah, je salue d'ailleurs Manu, Manu le premier producteur, Christelle qui nous a un petit peu tous réunis dans l'histoire. C'est avec pas mal de gens, d'artistes vraiment très, pour moi en tout cas, qui sont très, très, très talentueux et très sympas en plus. Grégory Benchenafi, Kira Dibari, Monique Boursma, j'en oublie, John Hazen, etc. Et c'est vrai qu'on est, tous là, une bande de copains, les chansons sont très belles, et ça va être l'occasion de se retrouver donc, pour quelques dates et pourquoi pas un bel avenir futur, après l'aventure précise, là, bien sûr. Voilà. Alors là, on a vu plusieurs des projets qui sont en cours pour toi. Oui. Est-ce que c'est pas difficile d'être toujours au devant de la scène dans un métier, qui est très prisé, où oui. On parle beaucoup d'intermittence? Comment on fait justement pour toujours rester au devant de la scène? Mais, alors, bon, je touche du bois, c'est vrai que ça fait quand même, maintenant ça fait 25 ans que je fais ce métier et j'ai la chance de pouvoir vraiment avoir les opportunités qui s'enchaînent bien, on va dire. Je n'ai pas eu des grosses galères, mais bon, ça peut arriver dans ce métier, quoi qu'il arrive. On ne sait jamais ce qu'on va faire l'année d'après. Et c'est vrai qu'il faut toujours préparer à l'avance ce qui suivra. Moi, je dirais que le maître mot, c'est justement, tu parlais d'intermittence, c'est vrai que le statut existe. Maintenant, le but n'est pas d'être intermittent, bien sûr. C'est d'être sur scène et d'être un artiste et de travailler le plus possible. Donc voilà, moi, je sais que j'essaie d'exploser au maximum toutes les capacités possibles et imaginables que je puisse découvrir. C'est-à-dire, j'ai appris l'escrime, j'ai appris les claquettes, j'ai appris les langues, l'italien, l'anglais, etc. Pour les spectacles. Là, j'ai appris à marcher avec des talons, par exemple. Parce que ça a toujours servi, on ne sait jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le fait d'incorporer dans son petit panier toutes ces disciplines et toutes ces qualités, on va dire, permet d'élargir au maximum les horizons et de trouver des rôles, que ce soit dans la comédie musicale, où tout est un petit peu réuni, mais aussi des séries télé, ou même du cinéma, ou du concert pur. Ce que je fais beaucoup justement à l'étranger notamment. D'ailleurs, je vais avec un album qui est en vente, qui est accroché, n'est-ce pas, qui est Hanté, qui est le premier album, et voilà le concours qui s'est cassé la gueule. Et le deuxième album qui sort bientôt là en juillet, et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment abordé en France, mais qui par contre m'est demandé beaucoup à l'étranger. Donc je fais un peu cette carrière là-bas, notamment au Japon et en Corée. Voilà, c'est le maître mot, c'est essayer de multiplier au maximum toutes ses capacités pour pouvoir être toujours là, toujours être sur le coup et être efficace. Et voilà. Finalement, on est son propre produit, hein, il faut savoir se vendre. Et plus on est, plus on est multicarte, mieux c'est, quoi. Alors, tu parles justement de multicarte. Tu nous l'as dit, tu as joué dans R, mais oui. Pas seulement. Tu as été dans Le Petit Prince, oui. Où tu étais également l'aviateur. En plus de l'autre oui. rôle, tu remplaçais Daniel Lavoie. Oui. Tu as été dans Aladdin, Faites un vœu. Tu as oui. été Zorro dans Zorro. La voix française du Fantôme de l'Opéra. Mozart. Oui. Notre-Dame de Paris. Oui. Que des gros trucs. Oui. Finalement, est-ce qu'il y a encore un rôle qui te tiendrait à cœur? Un rôle que tu rêves de faire? Bruno Berberès, si tu nous écoutes. Oh Bruno, bah oui Bruno, moi Bruno je l'ai connu son premier casting quand il était sur les Dix Commandements en 2001, et c'est vrai qu'il a fait une belle carrière depuis, il est devenu incontournable, et c'est vrai que voilà, quand il pense à un rôle, il m'appelle moi, mais aussi 40 000, il y a un catalogue de milliers de personnes, voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on fait un rôle, l'intérêt c'est toujours le challenge, où est le petit plus, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, enfin, c'est ce qui moi en tout cas me motive, et je dirais qu'il y a des rôles qui sont sublimes, j'adore par exemple Jekyll & Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, si ça se montait sur scène, ce serait sublime. Mais pareil, en version un peu à la française, je trouve que ce n'est pas très intéressant de reprendre des standards de Broadway ou de West End en France, tels quels, parce que culturellement, je pense que le public français a un peu de mal à s'y mettre, et je pense qu'on a en plus une vraie personnalité qui n'est pas forcément celui des spectacles, moi j'appelle ça des spectacles musicaux, plus que des comédies musicales. Je crois qu'on peut trouver un entre-deux où il y a un vrai livret, un beau livret, des beaux personnages, une vraie écriture avec des chansons et une vraie dramaturgie aussi musicale derrière et une vraie originalité justement de sensibilité à la française. Je trouve qu'on, pour moi, ce serait mon rêve de faire ça, de faire tous ces rôles et d'ailleurs le Fantôme de l'Opéra dans une version qui serait pour le coup, parce que c'est la première version qui existe depuis les années 80 est sublime, mais c'est vrai qu'une version à la française quand même, c'est l'Opéra Garnier, c'est Gaston Leroux, ce serait bien d'en faire la nôtre, quoi. Ou puis après, je sais pas, il y a 40 000 autres rôles, j'aimerais bien jouer le rôle de Batman, par exemple.
Batman sur scène. Batman, la comédie musicale. Ils ont fait Spider-Man à Broadway, et ils ont eu 5-6 morts, je crois. Donc, c'est ça. C'est pas terrible au niveau des super-héros, mais voilà, ce serait drôle. En tout cas, pour mes enfants, ce serait bien. On va bientôt se quitter. J'aurais juste une dernière requête pour toi. Dans le show Priscilla, il y a une chanson qui revient régulièrement. Ah oui. Tu vois laquelle c'est. Si tu peux juste nous en faire un petit bout pour nos auditeurs. Bon, c'est ok, d'accord. Alors, je vais essayer, hein, je promets rien. Essayez de deviner ce que c'est. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart and I will love you. Forever and ever, together, together. J'ai des superbes choristes derrière, merci. Qui sont sublimes. Quoi. C'était très bien, merci. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, venez voir le spectacle, je crois mi-juillet. Et merci encore d'avoir été avec nous. Ben, c'est moi qui vous remercie. So you're back from my